Dirit, morin is anam dom, is as en rank, tome heg folem queg, is malom dausa. Query. Agus laush. Forte. Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui après plusieurs semaines, voire mois d'absence, et j'ai le sourire jusque là, puisque je me suis acheté un nouvel appareil photo, ce qui fait que je vais enfin pouvoir vous proposer des vidéos avec une qualité pas trop mauvaise, en tout cas j'espère. Niveau image, ça a l'air pas mal, j'espère que niveau son, une fois que ce sera transféré sur mon ordinateur, ce sera pas mal également. Alors aujourd'hui, je reviens pour une vidéo toute simple, je vais vous présenter mes dernières lectures, mes lectures en cours et ce que je prévois de lire dans les jours qui viennent. Et on commence tout de suite. Alors, le premier livre que je vous présente, c'est Le Maître des Insectes de Stuart Preble aux éditions de Noël, collection Suspense. J'ai profité du week-end de Pâques pour me lancer un petit défi lecture. Je suis restée enfermée pratiquement les 3 jours dans mon appartement. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas eu plusieurs heures d'affilée devant moi pour lire sans culpabiliser. Là je me suis dit, le week-end de Pâques, c'est l'occasion du bouquine. Donc je me suis lancée dans ce roman-là. C'est déjà le titre et la quatrième de couverture qui m'ont intriguée. Je pensais y trouver sincèrement un thriller, ou quelque chose d'approchant. En tout cas je pensais, après avoir lu la quatrième de couverture qui nous annonce un meurtre, que cette lecture, en tout cas que cette histoire, allait commencer justement à partir de ce meurtre-là, et qu'on allait mener l'enquête, ou en tout cas que le lecteur serait plutôt placé du côté des enquêteurs, comme dans les enquêtes policières qu'on peut suivre à la télé en série, genre Esprit Criminel, Cold Case, etc. Le spectateur est vraiment du côté de l'enquêteur, et on suit petit à petit l'évolution de l'enquête. Alors là, pas du tout. En fait, le meurtre qu'on nous annonce dans la quatrième de couverture n'arrive qu'aux environs de la page 200. Donc en fait, j'ai été assez déstabilisée quand j'ai commencé ma lecture, quand j'ai lu les premières pages, puisqu'en fait, on se retrouve à suivre l'histoire du personnage principal, du narrateur principal, qui est Jonathan, dont on nous parle dans la quatrième. En fait, on le découvre de son enfance jusqu'à assez tard dans sa vie d'adulte. Et en fait, on va découvrir que ce petit garçon, au départ, a un grand frère qui s'appelle Roger et qui a un handicap mental. On nous précise jamais vraiment quel est ce handicap mental, mais on nous dit que Roger, en gros, est resté à l'âge de 8 ans, donc il se comporte comme un enfant de 8 ans. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce choix de narration très chronologique, c'est justement qu'on s'attache aux personnages, on est vraiment plongé dans leur histoire, dans leur passé, et on comprend mieux de ce fait leurs réactions, leurs émotions, leurs sentiments, etc. Et plus qu'une enquête, plus qu'une histoire de meurtre, c'est aussi et surtout à mon avis une histoire d'amour fraternel vraiment très très fort malgré la différence et malgré les difficultés du quotidien. Voilà, donc c'est hyper bien écrit, c'est assez addictif et j'ai beaucoup aimé malgré ma surprise du départ, malgré le fait que je sois tombée sur un livre qui correspondait pas forcément à ce que je pensais lire au départ. Voilà, mais vraiment un bon cru à mon avis. Pendant ce week-end de 3 jours, j'ai également lu un troisième tome, c'est le troisième tome de la série Fille des Quatre de Cécile Guillot aux éditions du Chat Noir, et ce troisième tome s'appelle Le Chant de la Lune. Donc c'est le dernier tome de la trilogie, le tome qui clôt les aventures de Maëlys. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les deux premiers tomes de cette trilogie et qui comptent le faire, je vous invite à sauter tout ce que je vais pouvoir dire sur ce troisième tome, puisque je suis obligée de spoiler un petit peu, sinon ça va être compliqué. Donc si vous souhaitez vous mettre à la lecture de cette série, il vaut peut-être mieux passer ce que je vais vous raconter. Voilà, ceci étant dit, je vais vous résumer un petit peu l'histoire et vous expliquer où
on en est quand ce troisième tome commence. Donc Maëlys, dans le premier tome, elle découvrait qu'elle était une sorcière, qu'elle avait des pouvoirs. Quelqu'un, justement, dans ce premier tome, cherchait à lui dérober ses pouvoirs. Et donc, l'intrigue de ce premier tome, c'était justement la découverte de son identité, plus la découverte du nom du coupable. Voilà, en gros. Dans le deuxième tome, en fait, Maëlys apprend qu'elle a été adoptée et que sa famille biologique vit dans le nord de la France, que sa mère était sorcière également. Enfin, dans ce troisième tome, on démarre justement avec Maëlys qui part avec son petit ami qui s'appelle Alex dans le nord de la France pour justement rendre visite à cette famille qu'elle ne connaît pas. Elle veut rencontrer sa famille biologique. En arrivant sur les lieux de sa naissance, elle apprend que sa mère biologique est morte 2 mois avant, je crois, donc vraiment récemment, malheureusement. Mais par contre, sa grand-mère, la mère de sa mère, est toujours en vie et l'accueille à bras ouverts et va lui raconter un petit peu l'histoire de la famille et notamment va lui parler d'une prophétie dont elle est un petit peu le personnage principal. Ici, en fait, Maëlys va creuser un petit peu plus l'histoire de sa famille, de son passé, va en apprendre encore plus sur elle, encore plus sur ses capacités. Sa relation avec Alex va être mise à rude épreuve, et les relations qu'elle peut entretenir avec ses amis, qu'elle appelle ses sorcières, vont devenir de plus en plus fortes, puisque tous ensemble, avec donc ses amis sorcières et Alex, ils vont devoir mener un petit peu une enquête au milieu de la forêt pour découvrir une statue, un objet particulier, je veux pas trop vous en dire, mais bref, ils vont devoir s'unir et se serrer les coudes pour résoudre un petit peu un petit mystère. Ce que j'aime bien dans l'écriture de Cécile Guillot, c'est que c'est simple, percutant, mais pas simpliste, elle en fait jamais trop, et en même temps, il y a juste ce qu'il faut pour qu'on puisse s'imaginer les scènes, pour qu'on soit à l'aise dans son histoire. Ça marche vraiment très très bien, c'est léger sans non plus trop l'être, vraiment c'est le juste milieu, et je trouve qu'au fil des tomes, Cécile Guillot a vraiment mûri, son style s'est enrichi, ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus imagé, et j'aime vraiment beaucoup, c'est une auteure à suivre, à mon avis. Ce que j'aime aussi beaucoup avec Cécile Guillot, c'est qu'elle n'en fait pas trop dans son style, mais elle n'en fait pas trop non plus dans le fond. Elle nous parle de sorcellerie, de magie, de sorcière moderne, mais tout ça reste très crédible, très naturel, elle n'en fait pas des caisses, et j'apprécie vraiment beaucoup cet aspect-là. Elle nous parle de rituels, elle nous décrit ces rituels-là justement, mais ça reste vraiment naturel. Ça reste vraiment crédible, vraisemblable. Bref, juste le juste milieu, et ça me plaît vraiment beaucoup. Apparemment, il va y avoir un recueil de nouvelles numériques qui paraîtra en 2016, qui sera une sorte de spin-off, qui s'appellera Le Cercle des Quatre, et qui mettra en scène les amis de Maëlys, qui sont Jeanne, Dorine et Patricia. Voilà, donc à mon avis, je me lancerai dans ces nouvelles numériques dès qu'elles sortiront. Et j'espère que ça sortira également en papier pour que je puisse ajouter ce nouveau recueil dans ma collection du Chat Noir. J'ai ensuite continué dans mes lectures de séries puisque je me suis lancée dans le deuxième tome de la saga qui s'appelle Les Portes du Secret de Maria V. Snyder aux éditions Darkis, saga qui a été rééditée chez Darkis mais dans un format plus petit. Moi c'est l'ancienne édition, en sachant qu'il y avait une édition encore plus ancienne qui était dans la collection Luna, qui appartenait aussi à Harlequin puisque Darkis appartient aux éditions Harlequin. Voilà. Donc le premier tome qui s'appelle Le Poison Écarlate, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, j'avais bien aimé, mais j'en avais pas non plus fait un coup de cœur. J'avais vu tellement de chroniques, d'avis dithyrambiques que je pense que j'en attendais peut-être un peu trop, et au final j'avais pas eu de coup de cœur. J'avais vraiment apprécié la lecture, j'avais trouvé ça très sympa, très bien écrit, très bien construit, mais pas non plus le truc inoubliable. D'ailleurs, pas inoubliable, puisque quelques années après, en entamant ce livre-là, je me suis dit « Oh là là, je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé dans le premier tome, je vais être complètement perdue. » Alors,
J'ai été un petit peu déstabilisée au début de ce deuxième tome parce qu'il n'y a pas de résumé. Mais finalement, je me suis vite remis dans le bain et ça n'a pas du tout pénalisé ma lecture de ce deuxième tome. Et je pense que d'ailleurs, je l'ai même préféré au premier. Peut-être que j'étais plus dans l'ambiance, peut-être que c'était un meilleur moment pour lire cette histoire cette fois-ci, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est toujours pas un coup de cœur, mais j'ai hâte de lire le troisième et dernier tome, puisque Elena, l'héroïne, est vraiment une héroïne attachante, mature, elle a des pouvoirs, elle est forte par certains côtés, mais en même temps elle a un côté très humain, assez fragile, et vraiment il lui arrive des horreurs à cette jeune femme qui a la vingtaine, je crois. On parle quand même de viol, de torture, de kidnapping. C'est vraiment pas tout rose. Et c'est aussi un point que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire et que j'avais aussi aimé dans le premier tome, c'est que c'est de la fantasy jeunesse, young adult, on pourrait dire ça, puisque c'est le terme employé ces dernières années. Mais contrairement aux autres livres young adult que j'ai pu lire, là, c'est pas tout beau, tout rose. En fait, ce que je reproche assez régulièrement, pas toujours, hein, je fais pas une généralité, mais ce que je reproche assez régulièrement au titre de young adult, c'est que les auteurs, comme ils destinent leurs livres à un public adolescent, ils vont se contenter de rester en surface et de pas être trop cru, de pas être trop violent dans leurs propos. Et ils prennent un petit peu leurs lecteurs pour des imbéciles, alors qu'il n'y a pas de raison, franchement. Et là, je trouve que Maria V. Snyder, ben elle prend pas ses lecteurs pour des imbéciles, justement, elle nous épargne pas les scènes. C'est vraiment assez oppressant, assez glauque, parfois c'est assez cru, mais en même temps, ça rend les choses plus intenses, il y a plus d'émotions. Globalement, j'y crois plus qu'un livre qui reste en surface. Donc pour résumer un petit peu, Elena, qui dans le premier tome était dans les royaumes du Nord, part dans les royaumes du Sud en compagnie d'Iris, qui est une magicienne. Et en fait, son but en venant dans les royaumes du Sud, c'est retrouver sa famille biologique et aller à la citadelle pour être formée, pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Elena, encore une fois, elle va se retrouver entre deux, entre les royaumes du Nord entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, qui sont en guerre un peu ancestrale. Elle est native du Sud, elle est née dans le Sud, sa famille vit dans le Sud. Physiquement, elle ressemble à une jeune femme née dans le Sud, mais elle a grandi dans le Nord. Son cœur appartient au Nord. Elle est amoureuse d'un haut gradé dans la politique du Nord, haut gradé qui évidemment est détesté dans le royaume du Sud, et si jamais il se déplace un jour dans le Sud, il sera assassiné, c'est sûr, puisque c'est l'ennemi numéro un, ou presque. Bref, Elena se retrouve dans une position difficile, en plus de tout ce qui lui arrive à côté. Voilà, donc c'est pas facile pour elle, et j'espère vraiment que dans le troisième tome, elle connaîtra un peu plus de moments heureux. Il y en a hein, quand même quelques-uns. Mais j'espère pour elle que ça se terminera bien, puisqu'elle en bave quand même. Hein. Cette héroïne, c'est pas facile. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, en plus de l'intrigue qui est vraiment bien menée, c'est le style de Maria V. Snyder. Bon, je vous parle d'une traduction, hein, forcément je lis en français. C'est hyper imagé. Dès les premières pages, même si je ne me souvenais pas du premier tome, j'ai réussi à m'imaginer les décors, à m'imaginer les scènes, les personnages. Ça fait très scénario de film, donc c'est hyper rythmé. Et comme c'est très visuel, forcément c'est hyper agréable à lire. Voilà, franchement une bonne saga et j'espère que je vais trouver le troisième tome que je n'ai pas dans ma bibliothèque assez rapidement. Si vous l'avez, si vous le vendez, si vous le troquez, n'hésitez pas à me le dire. Dans cette édition, si possible, pas en poche. Parce que j'ai le premier dans cette édition-là, donc ça serait dommage pas avoir une trilogie harmonisée dans ma bibliothèque. Voilà, j'espère vraiment que je vais trouver le troisième tome vite et que je pourrai le lire encore plus vite. Voilà pour mes lectures passées. Pour mes lectures en cours, j'en ai deux. J'ai une lecture commune en compagnie de Cali et d'Aurélie. On a presque fini puisqu'on avait séparé le livre en quatre parties et nous en sommes
à la quatrième, en tout cas moi je suis à peu près au milieu de la quatrième, donc il reste vraiment une cinquantaine de pages et j'espère le terminer ce week-end. Donc la lecture commune, c'est L'Enchanteur de René Barjavel. Alors, j'ai un exemplaire de L'Enchanteur en roman unique, mais je l'ai prêté. Donc, pour pouvoir relire le texte, je le lis dans une intégrale qui rassemble tous les romans merveilleux de l'auteur. Donc Barjavel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment mon auteur français préféré. J'ai déjà lu L'Enchanteur au moins deux fois, si ce n'est trois. Donc là, c'est la troisième ou la quatrième relecture. Et ça me fait vraiment très plaisir de la partager avec Cali et Aurélie, qui elles n'ont jamais lu L'Enchanteur de Barjavel. Donc non seulement j'aime ma lecture à moi parce que j'adore ce que fait Barjavel, et j'aime beaucoup L'Enchanteur, c'est un roman pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Mon portable vibre, c'est trop chiant. Bref. Donc, L'Enchanteur de Barjavel. Oui, cette relecture, je l'apprécie d'autant plus que c'est une lecture que j'aime. J'ai vraiment une tendresse pour ce roman. Et en plus, ce qui est super bien, c'est que Aurélie et Cali passent également un super moment, un merveilleux moment, j'ai envie de dire. Et ça me fait super plaisir, ça me donne le sourire jusque-là de voir qu'elles adorent ce roman que j'aime beaucoup. Donc L'Enchanteur, c'est une réécriture plus ou moins moderne de la légende arthurienne. Alors Barjavel s'est inspiré fortement du cycle de Robert de Boron qui date du XIIe-XIIIe siècle et qui est le cycle très christianisé de la légende arthurienne, qui, je vous rappelle, est censé se dérouler au 5e-6e siècle de notre ère. Donc en fait, toute l'image qu'on a de la légende arthurienne avec les châteaux, etc., c'est pas du tout bon, puisque les châteaux ont commencé à apparaître à l'an 1000. C'est là où on fait la jonction en fait entre plusieurs, entre le haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge du milieu, le moyen Moyen-Âge, je sais plus comment on appelle ça. Donc l'an 1000, c'est l'apparition des modes castrales, des châteaux, tout ça. Donc en fait, normalement, dans la légende arthurienne... Et là, j'ai mon voisin qui perce des trous. Je suis maudite. Dans la légende arthurienne... Normalement, tout ce qui est armure, ça n'existe pas. Les armures, enfin, par exemple, si, les armures qu'on peut voir dans les châteaux, par exemple dans Harry Potter, les armures complètes, là, ça apparaît qu'au 15e siècle. Donc c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir, enfin qu'on devrait avoir du roi Arthur et de ses aventures. Et donc les châteaux, c'est pareil. Les forteresses en pierre. Normalement, ça n'existait pas au moment du roi Arthur et de sa quête du Graal. C'était plutôt des châteaux en bois, donc qui brûlaient facilement. Voilà. Mais, comme c'est une histoire qui s'est passée par tradition orale et qui n'est apparue dans les écrits qu'assez tardivement, à chaque fois il y a eu des apports de faits. Et donc Robert de Boron, qui s'est inspiré d'anciens textes et surtout de la matière orale, a ajouté en plus l'aspect très christianisé de la légende, puisqu'au XIIe-XIIIe siècle, la religion, c'est à ce moment-là qu'elle est vraiment apparue dans les romans et dans la vie d'ailleurs quotidienne. Voilà, donc c'est un aspect, l'aspect christianisé est assez fort dans cette réécriture de Barjavel. C'est pour ça en fait que l'idée de pureté, de chasteté, de blancheur, tout ça est très importante dans cette histoire de quête du Graal. Voilà, je divague complètement, je suis désolée, je digresse. Donc, en fait, ce roman s'appelle L'Enchanteur. On pourrait penser que on va surtout suivre l'histoire de Merlin, l'Enchanteur, mais en fait, c'est pas tellement le cas. Alors certes, il est au centre de tout, c'est lui qui gère un petit peu tout, comme un dieu en gros. Il est d'ailleurs le fils d'une vierge et du diable, donc il a des pouvoirs magiques, un peu comme un dieu. Mais finalement, on va plus voir toutes les histoires des différents chevaliers, et Merlin qui goupille un petit peu tout ça au-dessus. Mais si vous vous attendez à avoir que l'histoire de Merlin, vous serez déçu, puisque finalement, Merlin, on ne peut pas le dissocier des chevaliers de la Table Ronde, d'Arthur, de Gauvin, de Lancelot, de Perceval, etc. Et
plus qu'une histoire de bataille, de quête de l'objet sacré, c'est surtout l'histoire de plusieurs histoires d'amour, des histoires d'amour très pures, dans la droite lignée des histoires d'amour des romans du Moyen-Âge, de la geste médiévale, et je ne me souviens plus comment on appelle les romans d'amour du 12e-13e siècle. J'aurais pu réviser avant de vous tourner cette vidéo. Je vous mettrai en description si je retrouve sur Wikipédia, sur Google, comment ça s'appelle. Mais bref, c'est un genre qui est très particulier au Moyen-Âge, au roman écrit au Moyen-Âge, et donc Barjavel s'inspire de ça en plus. Voilà. Moi j'adore. C'était mon roman préféré de Barjavel quand j'avais 16-17 ans, quand je l'ai découvert la première fois. Maintenant, je lui préfère Les Dames à la Licorne, qui est plus proche de moi maintenant à l'âge adulte. Mais j'ai toujours cette tendresse particulière pour l'enchanteur, et ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est l'humour qui est très présent. Il y a énormément d'anachronismes, par petites touches, mais c'est là tout le temps pratiquement. L'anachronisme le plus fort qu'on retient le plus, c'est les boîtes de conserve, puisque en fait, dans cette histoire, on prend le parti que Merlin l'Enchanteur est hors du temps. Il prend l'apparence que ceux qui le voient veulent voir. Donc par exemple, si ce sont des femmes qui aiment les hommes aux longs cheveux bruns, il prendra l'apparence d'un jeune homme aux longs cheveux bruns. Si c'est un homme qui vient chercher les conseils d'un homme sage, et bien Merlin ressemblera à l'image qu'on a plutôt de l'enchanteur, c'est-à-dire avec une longue barbe, limite le chapeau pointu, que Disney a mis un petit peu dans notre tête. Voilà, il est hors du temps, et donc il peut voyager aussi bien dans le passé que dans l'avenir, et c'est pour ça que par exemple il ramène des boîtes de conserve à une vieille dame qui en a marre d'aller bêcher son champ, mais qui voudrait bien manger quand même, donc il lui ramène des pêches en sirop, etc. Enfin, c'est très rigolo. Il installe également un magasin avec des petits paniers argentés pour que les gens puissent faire leurs courses. On parle d'électricité. C'est super rigolo, et en plus c'est vraiment bien dosé puisque c'est des toutes petites touches, donc c'est pas non plus complètement barré et c'est pas non plus complètement improbable dans une époque plutôt médiévale. Voilà, mais c'est ce qui apporte la petite touche d'humour et de modernité à côté de l'aspect très christianisé de ce roman L'Enchanteur. Voilà, donc il ne nous reste pas grand chose, enfin moi en tout cas il me reste une cinquantaine de pages à peine et je pense le finir d'ici la fin du week-end. En parallèle, je lis le premier tome de Spice and Wolf de, alors vous pouvez vous moquer de mon accent, Izuna Azekura, et c'est illustré par Jiyu Ayakura. Voilà, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un texte japonais. C'est édité aux éditions Ofelb. En fait, la maison d'édition Ofelb se spécialise à partir de cette année, ça a commencé au mois de mars, dans la traduction de romans japonais pour la jeunesse. Donc c'est le cas de Spice and Wolf. Donc ce premier tome rassemble les deux premiers tomes d'origine au Japon. Et apparemment c'est une saga qui a un énorme succès chez les jeunes japonais. Et j'espère que ça aura autant de succès pour moi. Donc j'ai lu que le premier chapitre, c'est-à-dire 40 pages, donc pour le moment je peux pas trop vous en parler. Ça parle d'un marchand qui s'appelle je ne sais déjà plus comment, Lorenz, qui passe de village en village pour vendre des marchandises, du blé, des fourrures, etc. Et un soir, en repartant d'un village, un soir ou un jour, je sais plus, dans sa charrette, il découvre sous les fourrures une jeune fille avec des oreilles de chien. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Il pense que ce sont des oreilles de chien au départ. Et en fait, la jeune fille va se présenter comme étant Holo, la déesse de la moisson, qui prend la part... Enfin, qui est une louve à la base, mais qui prend parfois l'apparence d'une belle jeune femme. Et en fait, Holo, elle en a marre de servir les paysans, qui lui demandent toujours la même chose, des bonnes moissons, etc. Elle a envie de changer, de visiter le monde, donc c'est pour ça qu'elle s'est cachée dans cette charrette, et elle espère bien que Lorenz va lui faire visiter un petit peu les alentours plus ou moins proches. Elle espère bien faire un petit voyage agréable pendant lequel elle découvrira plein de choses et elle rencontrera plein de gens. Voilà, donc j'ai pas lu grand chose pour le moment, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je peux juste vous dire que le livre en tant qu'objet est carrément joli.
La couverture est sympa. Au début et à la fin du livre, vous avez des illustrations en couleur, du papier brillant. Donc je vous montre la fin également. Voilà. Et à l'intérieur du livre, du roman, vous avez des illustrations en noir et blanc. Vous en avez quand même quelques-unes, pas non plus à toutes les pages, mais j'essaie de vous en trouver une. Voilà. Vous en avez quand même assez régulièrement, généralement sur une page. Voilà, donc le livre en lui-même est très joli. J'espère que le fond va me plaire. J'ai eu pas mal de critiques mitigées. En fait, comme je vous le disais, cette intégrale reprend les deux premiers tomes de la saga japonaise. Et en fait, a priori, le premier tome est assez long, assez ennuyeux, puisqu'il parle beaucoup de l'aspect monétaire, de l'économie, du marchandage, etc. Et le deuxième tome est un peu plus dans l'action, dans le rythme. Mais les gens ont quand même beaucoup retenu l'aspect ennuyeux de l'histoire de monnaie, de marchandage. J'espère que ça me plaira. Voilà, je suis curieuse de lire la suite et j'essaye d'avancer ce week-end également. Alors ensuite, j'ai prévu pour mes lectures futures, j'espère la semaine prochaine, Dark Eden de Chris Beckett aux éditions Presse de la Cité. Donc comme vous pouvez le voir, ce roman a été lauréat du prix Arthur C. Clarke. Je remercie les éditions Presse de la Cité et Babelio qui m'ont permis de recevoir ce roman. C'est de la science-fiction. Le pitch m'a pas mal intriguée. Apparemment, il y a une expédition, tout un vaisseau spatial débarque sur une planète. Mais en fait, malgré la difficulté du voyage, la plupart des spationautes veulent retourner sur Terre, donc ils repartent aussi secs. Sauf deux, qui s'appellent Tommy et Angela, et qui vont créer une nouvelle civilisation sur cette planète. Et 200 ans plus tard, tous les descendants attendent toujours d'être sauvés par un futur vaisseau envoyé par les Terriens. Et l'un d'entre eux, lui, il en a marre d'attendre, donc il va essayer de faire bouger un petit peu les choses. Donc c'est de la vraie SF dans l'espace, mais en même temps il y a le côté scientifique, faune, flore, est-ce que la planète est vivable, tout ça qui m'intrigue. J'espère vraiment que ce sera une lecture fluide et pas trop prise de tête, puisque c'est un petit peu ce qui me fait peur des fois dans la science-fiction, notamment quand c'est de la science-fiction qui se passe dans l'espace. C'est que ce soit trop scientifique justement et que je comprenne rien des théories avancées plutôt. Voilà, c'est un petit peu ma crainte. En même temps, ça me rend super curieuse, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai peur que la lecture soit un peu indigeste. Donc j'espère que ça va se lire assez facilement, enfin en tout cas que je serai bien immergée dans l'histoire. Le deuxième livre que je prévois de lire dans les jours qui viennent, c'est le premier tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, premier tome qui s'appelle La Traque, qui est publié chez Scrineo. Alors pourquoi je souhaite faire cette lecture? Parce que j'ai acheté ce livre aux Imaginales il y a 2 ans, et en fait depuis ce jour-là, j'ai envie de lire le bouquin. Et surtout, je me dis, il faut absolument que tu le lises pour pouvoir acheter le deuxième tome à l'auteur qui, tous les ans, est aux Imaginales. Et je ne l'ai pas encore fait. Donc là, les Imaginales 2015, c'est fin mai. C'est-à-dire qu'il me reste un peu plus d'un mois pour faire cette lecture, pour pouvoir en parler avec l'auteur, et surtout pour pouvoir lui acheter le tome 2. Donc j'espère avoir le temps de me lancer dans ce premier tome, qui, a priori, est de la fantasy pure et dure. La quatrième de couverture ne laisse pas paraître grand chose, mais la blogosphère semble unanime, c'est vraiment un bon premier tome et une bonne trilogie dans son ensemble. Donc j'espère que je serai moi aussi convaincue par cette histoire. J'ai oublié de vous sortir une lecture qui se fera également assez rapidement, puisqu'elle se fera en lecture commune avec Hélène Petit-Elfe et d'autres lectrices que je ne connais pas, me semble-t-il, donc je ne peux pas vous les citer de vive voix, je ne les ai pas, j'ai pas leur pseudo en mémoire. Je crois qu'il y a Gagat, il me semble,
et je ne sais plus quels sont les autres. Donc en tout cas, on a prévu de commencer le 27 avril, donc assez rapidement. Le premier tome de Les Rois du Monde, je crois, ça s'appelle, la saga. Donc ce premier tome s'appelle Même pas mort et c'est de Jean-Philippe Jaworski. Moi j'ai l'édition des Moutons électriques que j'avais acheté aux Imaginales l'année dernière. Il a été édité en poche il y a quelques semaines, quelques mois à peine. Et le deuxième tome sortira à l'occasion des Imaginales. Donc cette lecture commune tombe super bien, surtout que Jean-Philippe Jaworski, ça a été un petit peu ma découverte des Imaginales l'année dernière. J'ai fait une seule conférence pendant les 4 jours du festival, c'est pas bien, tous les ans je me dis il faut que j'en fasse plus, mais j'en ai fait qu'une seule. Et pendant cette conférence, il y avait Olivier Perru, que j'ai déjà lu, que j'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé son intervention. Mais il y avait surtout Jean-Philippe Jaworski, que je n'avais jamais écouté, et que je n'ai encore jamais lu, que je n'avais encore pas lu et que je n'ai toujours pas lu depuis. Mais il m'a fascinée complètement, je me suis dit il faut absolument que j'achète un de ses bouquins et que je le lise surtout, donc voilà, ça fait un an que je me suis dit ça pratiquement et je n'ai toujours pas fait. Donc là ça devient urgent, je suis super contente qu'il y ait une lecture commune pour un petit peu régler ce problème. Et évidemment si ce premier tome me plaît, ben, je prendrai la suite aux Moutons électriques. Je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà bien assez long, je suis désolée comme d'habitude pour ceux qui ne supportent pas les longues vidéos, je ne peux pas faire autrement, c'est impossible, je ne sais pas faire un résumé de livre en une minute et ne passer qu'une seule minute ensuite pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je ne peux pas passer 2 minutes sur un bouquin, c'est pas possible, c'est au moins 5 minimum. Et encore à chaque fois je me dis putain, j'ai oublié de dire ça, je ne sais pas faire court, je suis désolée pour ceux qui aiment les formats courts, ce n'est pas possible, je ne pourrai jamais changer ça. Si vous avez envie d'un thème particulier pour une future vidéo, n'hésitez pas à m'en parler puisque j'ai aucune idée de ce que je pourrais vous proposer. Il y a pas mal de tags qui tournent sur la boucle faire sur YouTube, mais généralement je trouve les thèmes pas super passionnants et enfin si c'est juste pour vous dire 10 choses sur moi, 10 choses assez personnelles, enfin j'ai pas grand chose à cacher, mais enfin vous dire par exemple j'ai un pantalon noir aujourd'hui, ce midi j'ai mangé un beefsteak, enfin ça a aucun intérêt ni pour vous ni pour moi. Je trouve pas ça passionnant. Donc je veux bien faire des tags, mais il faut vraiment que ce soit des tags qui aient un sujet intéressant, original, interpellant, enfin quelque chose qui a un intérêt minime. Voilà. Je peux vous faire régulièrement des vidéos pour vous présenter les nouveaux livres arrivés dans ma bibliothèque. Ça c'est faisable, c'est ce que je faisais déjà régulièrement avant, donc je peux continuer de le faire si ça vous intéresse. Je peux reprendre des vidéos pour vous présenter des albums jeunesse. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je sais que ça passionne pas forcément beaucoup de gens, mais certains aiment ces vidéos-là. Moi ça me fait plaisir, donc pourquoi pas si ça vous intéresse. On m'a demandé par mail récemment si je pouvais faire une vidéo sur mes lectures sur la légende arthurienne. L'idée est bonne et je serais ravie de faire ça parce que j'ai lu énormément de modernisations, d'adaptations, de réécritures ou même de romans classiques de la légende arthurienne. Quand je dis romans classiques, c'est les romans d'époque en fait, hein, genre Chrétien de Troyes. J'avais lu aussi La Vita Merlini de Geoffroy de Monmouth, donc c'est vraiment un texte ancien. Donc j'ai lu beaucoup de textes sur la légende arthurienne, mais c'était il y a plusieurs années. Et il faudrait vraiment que je les relise avant d'envisager de faire une vidéo sur le sujet, parce que là, concrètement, je pense que ça serait une vidéo assez vide. Je pourrais vous présenter les titres comme ça vite fait, mais j'ai pas matière à vous faire quelque chose d'assez construit. Donc, je garde l'idée en tête. Je vais essayer de relire plus ou moins rapidement pas mal de romans sur le sujet dans les semaines, mois à venir. En tout cas j'ai un bon stock, hein, donc ça peut être pas mal. J'ai aussi pas mal de DVD, enfin pas mal de DVD, j'ai des DVD sur le sujet, j'ai Les Brumes d'Avalon, j'ai Excalibur, j'ai évidemment Merlin l'Enchanteur de Disney, j'ai vu des séries, enfin j'ai quand même pas mal de matière, même niveau musique, hein, j'ai des BO de films, d'Excalibur justement, j'ai la BO des Brumes d'Avalon,
Bref, il y a des choses à dire, ça c'est sûr, mais j'attends de m'être replongée correctement dedans pour vous faire une vidéo sur le sujet. En tout cas, j'oublie pas. En parlant de musique, on m'a aussi, la même personne m'a demandé si c'était possible qu'en vidéo je présente des groupes, des chanteurs, chanteuses que j'aime bien et justement qui ont un peu, enfin qui sont en rapport un petit peu avec le Moyen-Âge, tout ça. Donc je pense par exemple à Lorena McKennitt, le côté celtique un petit peu, celtisant, Faune, Omnia. Dead Can Dance, enfin le truc un petit peu New Wave, Pagan Folk, enfin je sais pas comment les gens appellent ça, mais ouais, Pagan Folk c'est ce qui ressort un petit peu plus, musique du monde, enfin Lorena McKennitt en musique du monde. Donc oui, je serais ravie de vous parler de tous ces groupes chanteurs-chanteuses que j'écoute, qui sont un petit peu dans cette mouvance-là, mais par contre, comment vous en parler en vidéo, ça c'est une très bonne question. Je n'ai aucune idée de comment je pourrais monter une vidéo sur ce sujet. Ça serait super intéressant, mais alors vraiment, si vous avez une idée de la forme, dites-le moi, parce que là, je sèche complètement et je pense que si c'est juste pareil pour vous faire un catalogue pas plus développé que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je peux vous donner une liste papier, hein, enfin une liste dans un article et ce sera tout aussi rapide et peut-être moins indigeste. Voilà, donc si vous avez une idée de mise en forme pour ce sujet-là, je suis preneuse parce que le thème me botte, j'ai de la matière, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à vous présenter, à vous faire découvrir, mais je sais pas du tout comment le faire. Donc j'attends vos suggestions pour les futures vidéos, pour des choses nouvelles et un petit peu originales. À bientôt, j'espère que cette vidéo vous plaira.